Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Je suis désolée si j'ai pas fait de vidéo cette semaine, si mes guidances enregistrées, donc en guidance personnalisée, ont pris du retard. J'ai des gros bugs informatiques, de réseau, internet, réseau, téléphone. Voilà, apparemment, bon, aussi YouTube rame énormément, mes consoeurs. C'est pareil, c'est la même galère. Voilà. Donc, du coup, cette semaine, j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Mais hier, j'ai trouvé une autre solution. Donc, je télécharge au compte-gouttes. Mais j'y suis arrivée. J'ai trouvé une solution. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans des belles énergies. On se retrouve aujourd'hui pour le format, le FJ Quiz instantané à votre masculin pour voir les énergies du week-end. Merci infiniment à tous mes nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages d'amour juste sublime qui me portent énormément. Voilà, donc, et ça me motive encore plus. Donc, un grand, grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Je rappelle, donc, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si vous désirez une guidance personnalisée et individuelle, vous pouvez m'écrire à Lily et la beauté des anges, @gmail.com. Allez, c'est parti! Dans quelle énergie se trouve votre masculin au moment présent, s'il vous plaît? Dans quelles énergies se trouve votre masculin au moment présent? Ta 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 ta. Il y a des nouvelles qui arrivent. Reprise de communication. Dans quelles énergies se trouve votre masculin au moment présent? Ok. Après une période de purification. Donc d'épuration, de choses qui l'empêchaient d'aller de l'avant. Là, votre masculin a envie de vous donner des nouvelles, de reprendre contact avec vous. Ok. Que ressent votre masculin envers vous au moment présent, s'il vous plaît? Alors, eh ben, il est poussé, notre masculin. Il est poussé par la source. Ok, allez, on va en prendre une ou deux. Ah ben, voilà. Oui, là, on a un masculin qui se choisit, qui a envie d'aller de l'avant. Qui en a marre de fuir, qui en a marre de s'empêcher de vivre, d'aller de l'avant. C'est pour ça que là, certains masculins vont faire le choix, poussés par la source, de revenir vers leur féminine, de prendre des nouvelles, de reprendre contact. Parce que c'est un masculin qui a pris le temps de réfléchir, de se poser, qui voit beaucoup plus clair maintenant. Ouais, qui a vraiment qui a beaucoup réfléchi, qui a posé son mental, son ego. Il est beaucoup plus apaisé. Ouais, je le ressens vraiment beaucoup plus serein, plus apaisé, plus voilà, a envie, vraiment envie d'aller de l'avant. Hein. Ok, et c'est également un masculin qui est beaucoup plus aligné au niveau de ses énergies, au niveau de ses choix, de ses décisions. Troisième question, qu'est-ce que votre masculin attend de vous au moment présent, s'il vous plaît? Qu'est-ce que votre masculin... Ouh là là, il y en a trop, il y en a trop. Alors... Votre masculin vous demande de faire confiance à la source, d'avoir une foi indéniable vis-à-vis de lui, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce lien sacré.
Il vous dit oui également, de toutes les façons, il est poussé par la source, vous également, à continuer votre cheminement personnel. Bon, de toutes les façons, pour certaines féminines, vous sentez que votre masculin là est sur le point de revenir, qu'il va y avoir un rapprochement, d'où les nouvelles. On me dit également que vous pouvez sentir pour certaines féminines au niveau de la 5D, donc des liens énergétiques, que vos âmes sont en train de fusionner, sont en train de se rapprocher. Parce que pour qu'il y ait réunion dans la matière, il faut déjà qu'il y ait réunion, fusion dans la 5D. Hein. Ok. Donc voilà, vraiment il vous demande de vous faire confiance, de lui faire confiance, de faire confiance à la source, parce que là, la source accélère les parcours. Hein. Ok. Quatrième question pour ceux et celles qui sont en séparation. Pourquoi ce silence de votre masculin au moment présent? Parce qu'il est en train de faire des choix dans sa vie, d'acter des décisions. Pour certains, de se libérer d'énergie tierce, de s'éloigner de liens toxiques. Également de mettre en place des projets professionnels. Ce sont des masculins qui vont de l'avant, qui savent ce qu'ils veulent maintenant et qui ont décidé de travailler à leur propre unicité, d'acter vraiment certains choix dans leur vie pour leur propre bien-être. Ils ont fait le choix également d'arrêter de se sacrifier. Parce que ces masculins pensent toujours aux autres, en fait, et ne pensent pas assez à eux. Et c'est bien ça le problème. Donc là, il y a des masculins qui ont fait le choix d'arrêter de se sacrifier et vraiment de travailler à leur complétude, de travailler, de faire le choix d'être heureux dans leur vie. Ok, est-ce qu'on peut avoir un autre message ? Ok, et c'est un masculin qui a de plus en plus la foi. Donc oui, sûrement vous êtes en séparation, en non-communication ou très peu de communication, parce que c'est un masculin là qui est en train de s'élever, qui est en train d'aller vers la lumière. Voilà, qui est en train de faire confiance aux signes qu'il reçoit, aux signes de l'univers qu'il ramène à vous. C'est également un masculin qui a de plus en plus confiance en lui. Ok. Cinquième question. Où en est votre masculin dans le lien au moment présent, s'il vous plaît? Où en est votre masculin? Waouh. Et bien là, on a un masculin qui se choisit, qui arrête d'être dans la défiance par rapport à vous, par rapport à la réunion, par rapport à ce lien, par rapport à tout cet amour qu'il conscientise désormais, je rappelle, pour certains. Voilà. Et donc, là, on est vraiment, encore une fois, dans des énergies de réunion. Ça peut être également des énergies de réunion en 5D, d'accord? De toute façon, vous le sentirez. Quand vos âmes se réunissent et fusionnent ainsi que vos corps en 5D, de toute façon, vous allez le savoir. Il y a quelque chose de très, très particulier qui se passe. Donc, ça peut être au cours de vos rêves et vous allez avoir la révélation. Hein. Vous saurez que vos âmes se sont réunies dans la 5D. C'est-à-dire que la réunion n'est pas loin dans la matière. Magnifique, magnifique. Ouais, magnifique. Donc là, il y a des masculins de façon qui avancent magnifiquement bien. Ce sont des masculins qui sont conscients
de leur amour, enfin, qui conscientisent, des masculins qui conscientisent leur amour, le lien. Du coup, là, on est sur des fins de parcours et au niveau des polarités, comme on tend vers l'équilibre, c'est difficile de parler du chaser et du runner. Hein. Alors là, c'est un masculin qui a fait un super, super travail, hein, qui a beaucoup, beaucoup cheminé. Et ce aussi grâce au travail de la féminine, faut pas l'oublier. Allez, sixième question. Comment votre masculin envisage-t-il l'évolution ou de votre relation au moment présent? Eh bien, on a un masculin là qui en a fini avec le décentrage, qui est en train d'être complètement aligné, qui fait des voyages astraux, qui vient vous parler, mais là de manière beaucoup plus consciente. Ces fameux liens énergétiques qui caractérisent les flammes jumelles, les jumeaux, cette télépathie en 5D. Ouais. De toute façon, pour certaines, vous le sentez. Et vous êtes dans une autre dimension. La communication 5D est beaucoup plus forte, beaucoup plus claire, beaucoup plus intense. Et vous savez que votre jumeau, là, a fait un énorme travail sur lui, qu'il travaille à son propre bonheur, déjà, d'accord? Parce que pour qu'il y ait réunion, il faut que les jumeaux soient dans leur unicité, chacun de leur côté. Et là, on a un masculin, de toutes les façons, qui travaille à son propre bonheur, qui de toutes les façons maintenant a accepté complètement que son bonheur c'est avec sa féminine. On a un masculin qui s'est choisi, qui accueille, qui comprend, qui est dans l'amour. Voilà. Vraiment, regardez toute la puissance qui se dégage de cette carte. Là, on a un masculin, son chakra du cœur explose. C'est complètement ouvert. Il vibre, il rayonne. Et de toutes les façons, on a encore la colombe, donc il va y avoir des nouvelles. Hein. Allez, le message de votre masculin au moment présent, s'il vous plaît. Donc c'est encore une fois de plus une très très belle guidance. Très 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 belle guidance. Un masculin, waouh. Et oui, c'est un masculin qui s'est complètement reconnecté avec son âme, qui est dans l'unicité. C'est pour ça qu'il va revenir vers vous. C'est pour ça qu'on va avoir là, de toutes les façons, des réunions. Hein. La source pousse à ça. Le monde en a besoin. Voilà, donc a besoin d'amour, de rayonnement, de partage, de bienveillance. Voilà, donc il vous dit oui, ça y est, je me suis reconnectée à mon âme, donc maintenant je peux revenir vers toi. Magnifique, allez, une dernière carte, un dernier message, s'il vous plaît, de votre masculin au moment présent. Ouais, c'est un masculin là qui est dans la lumière, qui est dans la foi, qui est connecté à ses guides, à la source. Et qui accueille les signes, les synchronicités, son amour, ce qui vibre, tout, tout, tout. C'est un masculin là qui s'est choisi, qui s'est choisi. Ouais, magnifique, magnifique guidance. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous a plu. Je n'ai aucun doute là-dessus. Merci infiniment de suivre ma chaîne. Je vous embrasse. Croyez en vous, croyez en votre jumeau, croyez dans le lien et passez un très très bon week-end et vivez l'instant présent. Bye bye!